C'est parti maintenant pour ce match entre Yelena Yankovic et la chinoise Jie Zheng, récente médaillée de bronze aux Jeux Olympiques lors de ces Jeux à Pékin. D'aucuns un petit peu optimistes prévoyaient une razzia chinoise en tennis. Elle a été en tennis de table, ça c'était attendu. Mais en tennis, malgré l'émergence, a pris le bronze associé à Ziyan. Voilà, explication de Sarah Pitkovski à suivre. Oui, tout à fait. Oui, en général, oui, mais ils ont elle ne fait pas non plus 1m60. Hein. Oui, mais ça, c'est très petit. Avec tout en haut Dementieva. Dementieva que l'on verra tout à l'heure opposée, c'est une rareté en grand chelem, à une joueuse britannique. Eh oui, tout arrive. Oui, parfait. Ça, c'est évidemment les meilleurs coups de la Serbe, les longues lignes. Quel retour fulgurant de la part de Zheng. Très bonne relanceuse, on le disait. Elle a eu aussi un parcours un petit peu particulier, hein, Zheng. Elle était vraiment redescendue au classement avant de revenir au plus haut niveau. Mais... Demoiselle originaire du Sichuan. Là où il y a eu le tremblement de terre. Et voilà, oui, oui, oui. Elle prouve ses ressources, elle plusieurs balles pour confirmer le break côté Yankovic et finalement... Temps et en même temps, ça va être psychologiquement tellement particulier parce que jouer une autre française alors qu'on vient de battre la numéro 1 mondiale, ce sera vraiment une autre, toute autre approche mentale, exultée ou pas. Pudeur alors. Oui, oui je pense aussi, parce que pour revenir à Ivanovic... Il doit quand même y avoir un problème avec son pouce, hein, où elle a été blessée, puisqu'elle ne tient pas la raquette correctement. Puis au vu du nombre de fautes de coups droits qu'elle a commises. Le premier tour, mais malgré cela, elle a été surprise, alors qu'elle ne la connaissait pas. Elle a été surprise par son style, elle s'attendait à autre chose. Oui. Elle avait trouvé que Julie, justement, jouait extrêmement bien du fond, qu'elle avait très bien servi. Ah oui, que ça. Tellement de choses étaient... 8 aces. Quelle longueur! Magnifique. Elle était 248e à Doha en février dernier, même fin février. Vous vous rendez compte de passer de 248 à 37 en même pas 6 mois. Finaliste quand même, et puis demi-finale à Wimbledon dans la foulée.
en battant Ivanovic. 40 love. Qui a également servi deux aces. Magnifique. Tiens, très bien, arrivé à sa ligne de fond, elle distribue. Jankovic sur la défensive. Et Zenki conclut. Game. Et un nouvel ace, le troisième. Quelle défense de Jankovic qui a ramené le premier smash. Elle a eu du mérite, mais Zeng toujours. Bien joué Zeng qui lit parfaitement les trajectoires de Jankovic qui finit en grand écart. Vous savez, souple, très souple. Balle de break, elle avait toutes les deux converties. Bien joué, bien joué. Ah, il y avait l'occasion de venir à contre-temps. Et ouh, s'en sort bien. Voilà qui est fait. Des bras de fer qui sont en train de tout doucement tourner. Ça rappelle aussi à quel point le tennis féminin est extrêmement difficile pour ces demoiselles sur le plan physique. La saison est terrible. Et quand on est au plus haut niveau et qu'on veut garder un bon classement, bien, il faut jouer pratiquement toutes les semaines. Et c'est très très dur à tenir sur ce plan-là. Et si important. Désolé. Désolé pour eux, bah oui, mais désolé, ça ne remplace pas. Ça ne remplace rien. Il y a une belle chronique dans l'équipe aujourd'hui sur ce thème. Et oui. Et c'est fait, 5 partout, une fois de plus Zeng a pris sa chance. Ah, juste sur la bande. Ah, il est mal payé là, Jankovic. Mais ça reste court, Zeng a tout le temps de se placer et de tirer son passing. Et on sait que Jankovic n'est pas une volleyeuse sans défaut. Donc elle manque cette volée amortie, mais vraiment de très très peu.
qu'est-ce que ça joue. Et que c'est intense encore ce jeu. Regardez la maman qui se prend au jeu elle aussi. Et Mario Bartoli qui tient son rang. Même chose pour Alizé Cornet. Et puis la belle surprise aussi, Séverine Brémond. Ça fait beaucoup, beaucoup de satisfaction pour les joueuses françaises dans cette US Open. Le deuxième point est gagné aussi. Ladies and gentlemen, Michang is challenging the ball on the right near side. Bah oui. Un petit peu en hausse quand même au service Jankovic, heureusement 59% de première. Voilà, un petit croisé court. Utilise les angles. Ah, elle craque, elle craque. Trompé. Ce revers croisé, je crois, lui aura coûté quand même très cher, voire lui aura coûté le set tout simplement à Zeng, parce qu'elle en a manqué quand même des pelletés, alors que d'habitude c'est encore une fois son coup le plus fort. Du filet. Un peu plus de coups gagnants, un seul pour Jankovic, mais également moins de fautes directes, 4 fautes de moins. Donc il y a quand même une certaine habitude de la chose. Elle est loin de s'écrouler, hein. Jie Zheng après la perte de ce premier set. Et ça prend la ligne. La ligne, elle l'applaudit. Ce break réussi précocement par Jie Zheng. Une première de sauver et de quelle manière. Le point paraît terminé. Et la raquette en opposition. Jankovic qui l'effleure. Et ça passe. Elle le joue le point avec le sourire. Non, parce que Sarah, c'est vrai, vous pouvez appeler ça le goût des sunlight ou un petit peu de cinéma parfois. Il continue à durcir son jeu. 15 miles. Oh, c'était pourtant parfaitement joué de la part de Zheng. Quelle défense de Jankovic. On va revoir, c'est ce coup droit. Eh oui. Game Jankovic, new ball points. Plus après non plus, donc
c'est un problème ça aussi. 5-0. Et c'est un autre cours qu'on entend là, il y a une espèce de commutation qui s'est mal faite. On se renseigne, me dit-on en régie. Oui, ça c'est bien joué, en contre-temps. Il n'y a pas 10 000 spectateurs. Game, Jankovic. C'est fait pour Jankovic à la deuxième occasion. Un peu de déception pour une fois, oui. De frustration, un Zeng souvent impénétrable, mais là... Elle va avoir Pékin, une longue saison. Hein. D'ailleurs, Zeng avait battu Jankovic, il y a de ça 3 ans, pour sa seule victoire à ce jour face à la Serbe. Ah, ouh, elle est belle celle-là. Ouais, moi cours, aussi, je finalement. Pensais qu'elle allait flotter et qu'elle sortait. Oui, il est très très bien parti ce revers. Game change. Oh, superbe, superbe ce croisé. Ladies and gentlemen, Ms. Jankovic is challenging. You don't want... She's not challenging. She's not challenging. Finally. C'est pas mal, ça aussi. 40-30. She does not want to. Bah oui. She will be menée dans pas longtemps. Et non. Et non, parce que, non, parce qu'elle va le planter, son revers long de ligne. Il n'a pas été aussi efficace que d'habitude, mais... Jankovic. Et automatiquement, on voit son tennis est encore plus performant. Ah oui, pas de réussite pour Zeng. Elle n'y croit pas elle-même, mais ça lui arrache quand même un sourire. Et il y a des moments où il faut se résigner. Hein. C'est aussi une affaire de lucidité et également de plaisir. Parce que je pense que là, elle prend du plaisir sur le court. Elle joue quand même un très bon tennis. Elle est menée au score par la numéro 2 mondiale. Il n'y a vraiment pas de scandale. Elle est littéralement cannibalisée par ses résultats et par ses prestations en grand chelem. Donc c'était une souffrance quand même assez ténue. Oui, et elle est en train de passer devant. Elle a mis le petit coup d'accélérateur juste au moment où il le fallait. Elle tente le tout pour le tout, Zeng. Parfait. Et puis Jankovic a raison d'avoir ce regard méfiant parce qu'elle a quand même déjà, oui, perdu
5 fois son service. Donc la méfiance est vraiment de rigueur. Quelle longueur ! Quelle longueur ! Et quelle défense ! Ah oui, là ce sera... Eh oui, ça reste de son côté. Le voilà le danger. Ouh, c'est splendide. Game change. Et voilà. Splendide. Elle était mal frappée. Comme on le voit avec Zeng, c'est une chose d'arriver à jouer, à faire jeu égal avec une des meilleures du monde, à revenir à hauteur, à l'inquiéter. Mais ce qu'a fait Julie, pouvoir passer devant et gagner finalement face à une joueuse comme Ivanovic, c'est quand même assez étourdissant, surtout quand on est 188e mondial et qu'on dispute son premier grand chelem à 25 ans. Game. Et elle repasse devant. Huitième break pour Jankovic. Zeng, pour sa part, en a réussi 6. Elle recommence. Si Zeng retourne comme ça. Exactement, elle recommence le même scénario que lorsqu'elle était menée 5-3. Voilà. Ah oui, bah oui. Comme si ça, ça marche d'un simple. Côté, on va essayer de l'autre. Par sa défense à Jankovic, sa couverture de terrain. C'était pourtant bien fait de la part de Zeng, elle avait tout fait d'ailleurs. C'était dur physiquement ce point. Oui. Encore un beau sursaut de Zeng. Il est beau, hein. Il est beau cet échange. Advantage. Oui. Pourquoi s'énerver ? Oui, ça va finir au tie-break, c'est écrit. Bravo ! Bienvenue. Ça gâche. Oui, ça gâche, oui. Ça gâche, mais certaines attitudes, certains gestes montrent que les deux joueuses dos au mur comme ça de réaliser de superbes frappes et de surprendre. Comme celui-là. Elle lâche les chevaux, hein. Ouh.
change. Oh là 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 là, et elle craque, Gisink, mais alors Jankovic l'oblige à jouer toujours plus vite, toujours plus fort, prendre encore plus de risques. Et balle de match après deux heures de jeu. Et à chaque fois. Impeccable Zeng et jusqu'au bout. Terrible, terrible. La volée liftée, elle volaille en dessous du niveau du filet et du coup... Et encore, c'est Londine, cette fois-ci. Elle décide de la claquer. Elle aussi, hein, qu'est-ce qu'elle est inspirée par... Oui, ça, ça a pris la ligne surprise, la prise de demi-volée, Zeng. Ouh là là. Oui. Le jeu qui ne finissait jamais. Ouh, elle est méchante cette double faute, ouais. Non, encore une fois, c'est le coup droit qui semble un petit peu plus fébrile. Sur une balle qui finit au milieu du filet, c'est mal payé. Oui, c'est rude pour Jason qui a été magnifique dans sa résistance. Beaucoup de respect et de plaisir partagé certainement entre les deux joueuses, car même si Zeng s'est inclinée, je pense qu'elle a pris beaucoup de plaisir aujourd'hui. Elle a pratiqué vraiment du grand tennis, Sarah, et puis elle a eu une adversaire vraiment rodée à ce type de combat. Yelena Jankovic qui sort une nouvelle fois vainqueur d'un match au couteau, parce que 2-7 certes, mais 7-5, 7-5, 2h10, c'est vraiment encore une énorme partie de manivelle. Pas sûr qu'elle ait les ressources pour aller à chaque tour aussi loin dans ses réserves physiques, parce que même si elle est en huitième de finale, Jankovic laisse des forces. Hein. Oui, c'est un petit peu le verre à moitié plein ou à moitié vide. Elle inquiète aussi, elle est gagnante, mais elle inquiète un peu quand même, parce qu'à chaque fois, ce sont des matchs extrêmement difficiles pour elle. Pendant tout son parcours, avec les médias notamment, les conférences de presse, enfin, vous verrez, c'est un joli petit film de quelques minutes où l'on voit Julie Coin qui découvre ce nouvel univers.